Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue et ami pour ses commentaires. Je la félicite. J'aimerais lui poser une question. Mais tout d'abord, il y a quelques mois, elle était peut-être ici lorsqu'on a terminé la deuxième lecture de ce projet de loi et le chef libéral parlait du projet de loi. Je me rappelle que le président, le ministre du patrimoine, le chef libéral disait que le gouvernement n'était pas prêt à accepter des amendements et le ministre du patrimoine a dit, je vous parie 10 000 $ qu'il y aura des tas d'amendements. Et puis, en fait, il y a eu très peu d'amendements. Ce n'était que des détails mineurs, mais rien qui concerne des questions de fond comme l'éducation et le verrou numérique. Qu'est-ce qu'elle en pense? Eh bien, je remercie mon honorable ami d'Halifax pour sa question et j'apprécie les réparties du ministre du patrimoine. Mais si le ministre du patrimoine veut gagner son pari de 10 000 $ je me rappelle maintenant, j'y étais ce jour-là, j'étais ici. Et je pense que le ministre du patrimoine voudra sûrement gagner son pari. Et donc, je demande aux députés conservateurs d'appuyer mes amendements, sinon le député d'Halifax a raison. Les modifications apportées à ce jour sont mineures et ne reflètent pas la volonté d'améliorer.